Y'a Plégeon Severxios, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus, donc ça va être la suite de ma vidéo d'hier, donc je vous invite d'abord à aller voir ma vidéo d'hier avant de voir celle-ci, donc j'espère que vous allez bien. Donc ça va être une astuce Kama sur la bêta qui ensuite est reliée à l'officiel et qui va vraiment pour faire énormément de millions de Kama sur l'offi. Donc je suis assez content de ma vidéo d'hier puisque tout simplement dès aujourd'hui elle a marché, ce que j'avais dit est déjà en place. Donc le PNJ, en fait le Mao qui fournissait toutes les potions dans la vidéo d'hier et les mini-biotes pour un Kama U a tout simplement disparu. Ils l'ont retiré en Kama, il a duré je crois une semaine, sur toutes les bêtas il dure environ une semaine puis il est retiré. Ce qui permet de pouvoir en acheter mais pas pouvoir, enfin qu'il n'y ait pas assez de monde qui en génère assez pour pouvoir les mettre en HDV 2 mois plus tard puisqu'ils ne sont non échangeables pendant 2 mois et échangeables au bout de ces 2 mois-ci. Donc j'aimerais d'abord répondre aux commentaires de l'astuce 1 billiard de vraie estimation Kama, tout simplement pourquoi de vrai, puisque vous pouvez vraiment, il y en a vraiment pour 1 billiard de Kama sur ce que j'ai mis dans ma banque et vous pouvez vraiment les vendre, bon, peut-être pas autant de potions parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quand même plus de 20 000 potions. Plus de 10 000 potions de chaque qui soient vendues, mais 500 de chaque, ça m'étonnerait vraiment pas, ainsi que les mini-biotes, donc de quoi vous faire plusieurs milliards. Et j'aimerais répondre du coup au premier commentaire, ça marchera pas du tout, de 1 les prix vont s'effondrer quand les premières générées vont être échangeables, et même en admettant que les prix restent les mêmes, ce qui est impossible, ça ne se vendra jamais. Donc de 1, la demande est extrêmement forte. Beaucoup de monde en ont besoin tout simplement puisqu'ils s'en foutent de dépenser des kamas sur la bêta, puisqu'ils ont envie de tester de nouveaux stuff, de nouvelles apparences avec les mini-biotes, de nouvelles couleurs du coup qui va être liée aux mini-biotes, de nouveaux visages etc. Ils veulent restuff et changer l'apparence de leur perso, donc vraiment c'est très très acheté, il y a vraiment une très grosse demande, donc non, ça se vendra très très bien. Et aussi, les prix resteront les mêmes et même augmenteront. Puisque tout simplement, les mini-biotes valent seulement 4 millions à l'instant. Puisqu'ils valaient un Kama il y a une semaine. Mais maintenant, ils sont plus disponibles avec le PNJ. Dans 2 mois, ils seront échangeables. Et du coup, ils seront disponibles qu'avec des ogrines. Et les prix vont augmenter dans les 30-40 millions. Donc ce qui est vraiment beaucoup. Du coup le deuxième commentaire, n'importe quoi, ça rebote toujours avant que ça soit échangeable. Pourquoi non? Tout simplement la bêta dernière a duré 6 mois. On est tout simplement pas prévenu, en Kama ne prévient pas. A chaque fois que vous connectez, il y a marqué qu'à n'importe quel moment la bêta peut être stoppée. Donc soit elle va durer plusieurs mois celle-là, soit quelques semaines, soit quelques jours. Donc on va voir dans les prochaines semaines qui vont suivre. Ensuite, mais après elles sont liées au compte, c'est ça le problème, donc je viens de répondre, enfin, vous voyez que quand je le mets, échangeable le 26-12-645, il n'y a pas marqué lié au compte, il y a bien marqué que c'est échangeable dans 2 mois, donc c'est pour ça que ce n'est pas un fake et que cette astuce marche vraiment. Donc en même temps, le PNJ a été retiré comme vous allez pouvoir le voir, donc oui, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça que ça bug un peu, pourtant j'ai vraiment une bonne co. Donc le PNJ Mao a été enlevé, du coup on ne peut plus lui acheter les popos à 1 Kama, les mini-biotes à 1 Kama ou à 10 Kama. C'est pour ça que mon astuce de hier ne peut plus être faite pour ceux qui viennent de l'avoir maintenant et qui n'ont pas eu le temps de la faire malheureusement. Mais c'est ce qui permet que les prix resteront les mêmes dans 2 mois puisque tout simplement il n'y a pas assez de monde qui ont eu le temps de faire l'astuce. Et c'est ça qui est pas mal. Donc dans le titre, vous avez sûrement vu comment se faire plusieurs millions bêta reliés à l'officiel. Tout simplement, une fois que vous êtes fait tous ces kamas sur la bêta, donc plusieurs milliards facilement, il vous suffit tout simplement d'aller en commerce, donc c'est vraiment très très bête. Et vous mettez un message du genre, donc je vais le faire, je vais mettre sur pause et dès que je l'aurai fait, je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai fait le message, donc je vous le mets directement pour ceux qui le veulent. Donc salut all, Kama sur la bêta à vendre moi, vs Kama sur l'officiel vous, 40 millions de Kama bêta moi, vs 1 million de Kama officiel vous, serveur, donc j'ai mis XXX parce que ça peut être n'importe quel serveur, possibilité d'échange petit à petit, donc vous faites par exemple, la personne vous donne 50 000 Kama sur l'offi, vous lui donnez le nombre de Kama qu'il faut pour la bêta, donc ça va être...
Divisé par 20, ça va être 800 000 kama, je crois. 800... Elle vous donne 20 000 kama ou 50 000 kama, ça vous fera, vous, 800 000 kama sur la bêta à lui donner. Et vous allez vous faire vraiment énormément de kama très rapidement. Donc après, c'est à vous de fixer les prix. Vous n'êtes pas obligé de mettre 40 millions pour 1 million sur Lofi. Mais en sachant que vous vendez chaque potion à environ 40 millions de kama, que vous en avez des dizaines de milliers, je pense que le mieux c'est de faire une offre énormément alléchante pour attirer énormément de personnes et vous faire énormément de kama. En plus, vous en foutez royalement puisque la bêta, vous perdez tout à la fin de la bêta. Donc le mieux c'est dès que toutes les popos sont échangeables à une idiote, directement, dès que c'est possible, vous les vendez tous avec ce message. C'est vraiment un message parfait comme ça. Donc surtout, n'acceptez jamais en premier, puisqu'étant donné que 40 millions de kama sur la bêta et 1 million de kama officiel, vous donnez à chaque fois 40 fois plus que les personnes qui vous donneront sur officiel. Donc si par exemple vous acceptez en premier, vous donnez 800 000 kama sur bêta, la personne ne vous donnera peut-être jamais le reste. Donc étant donné que 50 000 kama c'est vraiment rien, les personnes accepteront toujours. Donc voilà, donc je pense que ça sera à peu près tout pour cette petite astuce, enfin même cette grosse astuce qui peut vous rapporter vraiment énormément sans rien dépenser, puisque tout ce que vous dépenserez sera sur la bêta et vous gagnerez tout presque gratuitement. Il y aura juste pas mal de travail à faire et surtout 2 mois d'attente. Donc j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Et voilà, donc n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner, lâcher un commentaire, partager cette vidéo. Donc allez, ciao ciao tout le monde.